Je sais ce que vous dites lorsque vous avez un nouveau client. Il ne faudrait pas qu'on prenne trop de temps au départ. Et vous avez raison, parce que quand vous démarrez avec un nouveau client, vous allez mettre plusieurs mois avant d'être rentable. Il est donc logique d'essayer d'optimiser le temps qu'on passe au début de la prestation. Le problème, c'est que si vous ne mettez pas un effort suffisant au départ, vous allez garder un client bruyant, insatisfait et qui ne sera pas rentable à long terme. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas ignorer la mise en place d'un onboarding de qualité afin d'éliminer un maximum de problèmes potentiels dès le départ et de vous assurer une connaissance parfaite de ce nouveau client. Aujourd'hui, je vais vous montrer les éléments indispensables pour réaliser un onboarding de vos prestations d'infogérance et MSP issus de notre expérience auprès des meilleurs MSP. Quand vous démarrez avec un nouveau client, vous devez apprendre à le connaître et donc savoir comment fonctionne son système informatique. Mais c'est également l'occasion de remettre à plat un maximum de choses qui vous permettront de travailler plus efficacement. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des MSP l'onboarding. Un bon onboarding vous permettra d'envoyer un message fort à vos clients sur la qualité de vos prestations, d'éliminer un maximum de problèmes potentiels, d'amener à vos équipes un environnement informatique maîtrisé. Et surtout, n'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule chance de faire bonne impression. Alors voyons ensemble ce que vous devez faire pour réaliser un onboarding de qualité de façon efficace et reproductible. La première chose à faire, c'est de préparer vos systèmes en amont afin que le client existe dans vos différents outils, que les contrats soient en place ainsi que les différentes synchronisations. Cela permettra aux équipes projet d'avoir les informations de base sur le client dans les différentes plateformes. En parlant d'équipe projet, un onboarding est un projet en soi et vous devez donc y affecter une ou plusieurs ressources qui seront chargées de le réaliser de A à Z. Si vous avez un écosystème d'outils MSP intégré, cette étape sera bien sûr facilitée. N'oubliez pas de créer le projet dans votre PS ça en vous appuyant sur des modèles que vous pourrez faire évoluer dans le futur afin de gagner un maximum de temps et pérenniser votre expérience. Gardez en tête que le client vous a choisi pour résoudre des problématiques qu'il a. Vous devez donc les communiquer clairement à l'équipe projet afin de répondre aux enjeux du client. Une bonne pratique consiste à vous présenter auprès de votre client. Vous pouvez ainsi lui envoyer un email ou un document qui synthétisera un certain nombre d'éléments essentiels comme ses interlocuteurs, l'équipe projet, le rappel des objectifs de la prestation, le déroulé de l'onboarding, mais aussi les attentes que vous avez le concernant. Cela permettra de s'assurer de la bonne compréhension des responsabilités de chacun. Une fois que vous avez envoyé ces informations, vous pouvez planifier une réunion de lancement avec le client dans laquelle vous pourrez présenter les différents intervenants, le planning du projet, présenter les différents outils que vous utilisez et répondre à d'éventuelles questions. Puis présenter les prochaines actions que vous allez réaliser afin que tout le monde soit aligné. Prenez le temps de répondre à toutes les questions que le client pourrait avoir et notez les tâches et réponses en suspens. Assurez-vous de suivre l'ensemble des éléments qui ont pu être soulevés lors de la réunion et de bien les communiquer à l'ensemble des équipes. Gardez une liste des tâches dans votre outil de projet ou de suivi de tâches pour ne rien oublier. Afin de gagner du temps dans la récolte d'informations, déployez rapidement les outils qui vous permettront de réaliser la découverte de l'environnement du client. Cela inclut le déploiement de vos agents RMM, mais assurez-vous qu'ils soient dans un mode d'audit afin de ne pas perturber le client pendant cette phase. La remontée des équipements du RMM pourra ensuite alimenter votre PSA et votre outil de documentation qui vous permettra d'avoir l'ensemble du parc informatique pour la suite. Pour aller plus loin et gagner un maximum de temps dans la découverte, vous pouvez également vous appuyer sur un outil comme LionGuard qui remontera une information détaillée sur de nombreux éléments comme l'Active Directory du client, la configuration de ses firewalls ou de son environnement Microsoft 365. Toutes ces informations peuvent également alimenter automatiquement une plateforme de documentation telle que ITGlue. Vous pouvez utiliser tout autre outil qui vous permettra de réaliser des audits afin de récolter un maximum d'infos automatiquement. Vous devez ensuite récolter l'ensemble des informations sur le système informatique du client. L'ensemble des codes d'accès aux différents équipements et plateformes comme les firewalls, les switches, les serveurs, les plateformes cloud, l'état de garantie de tous les équipements du client, les licences des différentes applications utilisées, la liste des prestataires externes comme les éditeurs d'applications métiers, les téléphonistes, etc. La configuration des utilisateurs et des groupes avec leurs droits d'accès, les connexions internet et les différents accès extérieurs, la gestion des noms de domaine, les schémas réseau. Bien sûr, en fonction de la qualité du précédent prestataire et de la rigueur de votre client, ces informations peuvent être plus ou moins faciles à récupérer. Mais ne faites pas d'impasse sur cette partie pour ne pas être bloqué plus tard. Le temps que vous allez investir dans cette récolte d'informations sera largement rentabilisé à l'avenir. Petite astuce, équipez l'ensemble de vos équipes d'une étiqueteuse afin de pouvoir facilement identifier l'ensemble des équipements, ce qui vous simplifiera la tâche lors d'intervention, mais aussi dans vos interactions avec le client. N'oubliez pas de prendre un maximum de photos et de les inclure dans votre documentation. Maintenant que vous avez une parfaite connaissance de votre client, vous pouvez commencer à déployer le reste de vos outils afin de mettre le client dans vos standards. Déployez vos antivirus, installez vos systèmes de sauvegarde, migrez
sa messagerie si besoin, remplacer les équipements que vous ne supportez pas et activer les fonctionnalités de votre RMM pour superviser et mettre à jour l'environnement de votre client. Pendant cette phase, communiquez bien avec votre client pour lui expliquer les différentes actions que vous réalisez. Faites en sorte de perturber le moins possible son fonctionnement. Vous pouvez par exemple planifier vos actions en soirée avec votre RMM. L'idée est d'amener votre client au maximum dans vos standards afin d'avoir des technologies que vous maîtrisez de bout en bout. Ainsi, le travail de vos équipes sera facilité et vous vous éviterez de nombreux problèmes par la suite. Pendant votre récolte d'informations, le déploiement de vos outils et les interactions avec votre client et ses utilisateurs, vous aurez pu identifier un certain nombre de problèmes à régler et de modifications à apporter, en particulier sur des aspects de sécurité par exemple. Corrigez un maximum de problèmes pendant cette phase d'onboarding afin de réduire le nombre de tickets auprès de votre support et coordonnez-vous avec votre client si certaines actions nécessitent des interruptions ou des investissements complémentaires. C'est grâce à ce travail d'amélioration continue, de proactivité et de réduction des risques que vous allez amener le système informatique de votre client au niveau où vous le souhaitez. Un client mal onboardé peut générer beaucoup de bruit au départ, alors assurez-vous de le limiter au maximum en anticipant tout problème potentiel. Une erreur à éviter est d'ouvrir l'accès à votre support avant la fin de l'onboarding. Vous devez faire une passation entre les équipes projet et les équipes de production qui géreront le client au quotidien. C'est une étape indispensable pour que l'ensemble de vos équipes connaissent le client, son environnement et ses spécificités. Vous êtes maintenant prêt à transmettre le client dans les meilleures conditions possibles avec une infrastructure parfaitement documentée sur laquelle vous avez déployé votre stack technologique. Ainsi, vos équipes support auront à leur disposition toute l'information dont elles ont besoin au quotidien, à commencer par exemple par la liste des utilisateurs. Il n'y a rien de pire que de démarrer avec un nouveau client et de n'avoir aucune information sur celui-ci. Suivez régulièrement l'évolution de vos indicateurs sur ce client afin de vous assurer que tout fonctionne bien et le cas échéant de pouvoir réagir et corriger tout dysfonctionnement. L'onboarding n'est pas un sujet annexe, c'est une étape essentielle pour poser les bases d'une bonne collaboration. Plus l'onboarding est de qualité, plus vous allez réduire le bruit et le temps passé à l'avenir sur ce client. Avoir une parfaite connaissance du client est fondamental pour votre activité. L'onboarding est aussi l'occasion de mettre en place un maximum de vos standards qui sont la clé d'une activité MSP rentable et optimisée. Standards et documentation sont les deux piliers pour gagner un maximum de temps dans votre activité au quotidien. Investissez du temps au départ sur ces sujets pour vous assurer une rentabilité rapide sur les nouveaux clients. Nous avons évoqué pas mal d'outils dans cette vidéo, dont notamment LionGuard qui vous permet de rapidement documenter un maximum d'informations de manière automatique sur vos clients. C'est un must-have aujourd'hui chez les MSP et je vous conseille de vous y intéresser. Nous avons fait une démonstration complète de l'outil, alors cliquez ici pour regarder cette vidéo. Et si vous voulez d'autres conseils pour optimiser votre MSP, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à bientôt pour d'autres vidéos.